tous ces f... Espèce de bande. Et Anjani, tu... dans ton... aujourd'hui et pas pour rien parce qu'en fait le pick-up vu que ça fait un petit moment qu'il roule pas beaucoup, il fait des blagues. Bon, c'est des blagues normales, c'est pas vraiment des blagues en fait en soi. C'est par exemple quand tu roules pas longtemps avec un véhicule gros comme ça, qui a des très gros freins et qui est stocké dehors, et ben des fois les freins ils se grippent au niveau des coulisseaux, des plaquettes, et là c'est ce qui s'est passé. Donc c'est chiant et dangereux aussi. Donc on va regarder ça avec Prep et puis on va faire un petit tour complet du pick-up aussi, parce que on est censé aller à l'anneau du Rhin dans quelques jours. Je sais pas si ça va être possible parce qu'il y a quelques petits contretemps sur la Supra aussi. Ça, je vous en parle dans d'autres vidéos de toute façon. Mais voilà, il faut que le pick-up il soit prêt aussi. La dernière fois qu'on est allé à l'anneau du Rhin avec Prep, avec le pick-up, bah, je vous mettrai un petit lien par là. Je vais pas de quel côté. Mais ouais. C'est un peu... Ah, ça y est, ça s'est regrippé, ça, le volant bouge. Bon, bref. Donc, on va essayer de pas prendre trop de risques. On va faire un petit check-up du pick-up complet. Et puis, il y a l'anneau du Rhin. Et ensuite, il faut aussi qu'on l'emmène chez Covering Work Zone. Parce qu'il faut qu'il passe à la déco, lui aussi. Donc, voilà. Ça fait un beau chantier, tout ça. On va passer une bonne après-midi. Il commence à faire chaud. Ah, j'espère aussi que le son est bon. Parce que j'ai viré le média... la GoPro, là. Qui te vendent parce que soi-disant c'est génial, le micro c'est de la merde. Donc j'espère que le son sera quand même bon avec les micros d'origine de la GoPro. Parce que voilà. Bon, avant de continuer, on va le laver parce qu'il est dégueulasse. C'est toujours chiant de bosser sur un truc sale. Bon, par contre, il y a toujours le sapin de Noël dans la benne. Ouais, je sais, ça c'est un peu de l'abus. Allez hop! C'est pas beau ça, regarde, il s'est même pas fermé tout seul pour une fois. Ah. Allez, plus qu'un stop et on peut y aller. Allez, on est reparti. Ah, c'est indispensable. Hein. Jamais débarquer au garage des copains si t'as pas quelques munitions. Putain, je vais l'écraser l'autre derrière. Le problème de ce machin, c'est que ça prend un poil de place sur les parkings, c'est relou. Et il faut faire attention de pas tourner le volant à l'arrêt, n'est-ce pas? Tu veux filmer l'arrêt, c'est ça? Ah ouais, j'avais pas vu. Là, déjà, je vais le soulever. Et puis, ben, on va essayer de voir pourquoi ces freins grippent. Je crois qu'il n'est pas un peu lourd, le pépère. Je suis pas sûr que ça tienne. Hein. Qu'est-ce qui se passe? Ça ne veut pas sortir. La dernière fois, ça avait fait pareil parce qu'il y a un téton. Un téton? Oui. Dans cette plaquette là. Et il faudrait que j'arrive à rentrer ces putains de pistons. Tu veux que j'appuie sur la pédale? Comme tu peux. Tu peux t'appuyer sur la tête. Putain de caméra. C'est peut-être un peu grippé. On va tout démonter, hein, si je te dis ça. On va voir c'est quoi qui est grippé. C'est
C'est ça. C'est celui-là. C'est chiant ça. Ouais, c'est un peu emmerdant. Surtout que ça se trouve rapidement les pièces là-dessus. Mais en vrai. Ça peut. Mais en fait, c'est si on l'ouvre. Ah bah. C'est on foutu. Sait qu'on repart pas quoi. Non. Il faudrait du temps. Il peut rester là au milieu du garage. Tu vois, celui-là rentre quand même beaucoup plus facilement. Je force quand même nettement moins. Et l'autre, il rentre pas? Si, si, il est rentré un peu. Fais-le, rappuie sur les freins. Ah c'est dur. Ah ça s'est durci à mort en fait. Lui il est grippé sa race. Et si je l'allume et que il y a l'assistance, ça sera peut-être mieux. Hein. On peut essayer. Il y a rien qui m'empêche de démarrer là. Non, t'as pas de vitesse, rien, c'est bon. Déjà qu'on a un petit souci sur celui-là. Et si on le graisse à mort? Est-ce que j'en ai l'air? Le problème c'est qu'en fait c'est si on la graisse elle risque si elle sèche à cause de c'est chaud les freins. Ouais mais c'est pour ça que je vais mettre que du WD pour le moment parce que si je te mets de la graisse elle va ressortir et ça va me capter la merde donc pas forcément le bon plan. Parce qu'il est percé en fait le cache-bouche après. Ça c'est pas bon. Pas bon. Il rentre mieux déjà, non? Ouais. Ça lui a fait du bien. Ça a dû le débloquer. En fait, il devait être un peu bloqué, tu vois. Là, le fait de l'actionner, j'ai bloqué l'autre. Et comme ça. Dans la puissance! La puissance! Ils sont démarrés déjà. Pourquoi tu fais tout tomber? Parce que j'ai deux mains gauches. Ah. Je me demande dans quelle voiture on va mettre le sapin, vraiment. Je peux ne pas y arriver. Dis donc, je pense qu'il commencerait pas à en faire tiède là. Je t'ai dit, c'est de la merde. C'est super chiant. Parce qu'en fait, il fait bon une semaine dans l'année. Soit il fait froid, soit il fait chaud. C'est vrai que c'est quand même sacrément de la merde. Là. Je pense que c'est la première fois qu'on se fait chier pour freiner. On avait dit que c'était pour les lâches pourtant. Mais bon, là, il freine tout seul. Ouais, c'est chiant. C'est pas comme s'il n'y avait plus de frein, il n'y aurait plus de frein. C'est pas grave. Les coulissons. Ça, c'est quoi ça, t'as dit? Les coulissons. Les coulissons. Tu vois, tes petites plaquettes, elles se posent comme ça dedans. Ouais. Si j'arrive à les remettre. Et en fait, quand tu viens appuyer sur tes freins, ça actionne ça, et ça, ça pousse. Tu vois, et ça fait comme ça. Ah, et si ça, c'est plein de merde. Ça coulisse pas. Ah, ça coulisse pas. Du coup, ça grippe, et du coup, ça freine tout seul. C'est chiant. Et ça, c'est chiant parce qu'en fait, ça met le feu. Oui, tu peux mettre le feu. Ouais, c'est vrai. La dernière fois, il fumait derrière. Arthur pour attendre dire des nouvelles. D'ailleurs, j'en profiterai dans la vidéo pour mettre un petit extrait d'Arthur juste maintenant là. Je voudrais pas être désagréable, c'est tout. Alors, quoi, tu veux que je te crache au museau, toi? Et c'est quoi là-bas derrière là? C'est quoi ce truc là? Il est quoi? Ça là? Ouais. Ça, c'est une 46 turbo. Une RHD. Donc ça, on est d'accord, 100% Schnau, 100% Schnau. Presque 100%. On a quelques petits éléments. Qu'est-ce qui n'est pas Schnau? Genre les injecteurs, tu vois, on prend du Bosch. Ouais, des Bosch, bon bah c'est des Schnau, mais rebadgés en France. Donc, ouais, voilà, c'est ça. Mais vu qu'on les paye plus cher. Voilà, hein, normalement ils sont bons, ouais. Normalement, ils sont censés pas se boucher ou marcher tout le temps. Bon, on n'est pas sûr. Non, sinon, c'est du chinois. Là. Montage low cost. Ouais, mais ça fait quelques-uns là. En queue du chinois. Ouais, mais ça tient. D'accord, et ça tient. Fait, si tu le fais comme il faut. Ouais. Ah, par contre, les lumières de ce garage, ça va pas du tout. Non, c'est de la merde. Parce que ça fait. Ce qu'on appelle. Ça flique. Ça flique. Ouais.
Et nous, tout ce qui est flic, c'est chiant. Ouais, on doit le reconnaître. J'ai chaud, putain. Il fait tiède, hein, il fait. Oh, ouais, ouais, là, il commence. À... Ça y est, je commence à tester le garage. Est-ce que dans le prochain garage, on aura la clim? Je sais pas, mais il sera isolé. Donc, déjà, tu vois. Ce sera pas une cocotte minute, là, avec ces putains de tôles, là. J'avoue. De là, ça, tu vois. Plein été, quand tu fais 42 degrés, je te garantis que tu ouvres la porte du garage. Qu'est-ce qu'elle est belle la déco de ce garage. Tu sais qu'il paraît que bientôt il va y avoir des banderoles switch comme ça sur le shop et tout. Parce qu'il pas aussi grande, hein, parce que du coup. Ah ouais, parce... Non, pour les envoyer, ça coûte 2000 euros. Ça, c'est une bonne idée. Ouais. Et il m'a semblé voir que la réserve trésor était pleine d'ailleurs. De pleine de fringues. Ah non, bah non. Ça y est, c'est déjà vu. Ah ouais, on s'est fait démonter. Je suis passé il y a pas longtemps. Eh oui. C'est bien ça, merci à vous, c'est très gentil. Alors, par contre, ce qui est pas bien, c'est que les grosses boîtes qui font des fringues, tu sais, qui en commandent des millions, ils ont tout commandé. Ah, les bâtes. Ouais, il n'y a plus rien. Il laisserait un petit... Non. Non. On n'a pas de place. Là, non. Non, parce que les vestes, tu vois, on les fait par 20, 30. Eux, ils les font par 1500, 2000, 10 000, 15 000. Un jour, on pourra les faire par 10 000. Ben, ça dépend. On aura nos propres petits chinois qui les coudront dans notre garage. Oh bah écoute, Antoine, d'ailleurs, si tu fais rien de ta journée, on a une machine à coudre pour toi. C'est quoi ça? C'est les supports de la plaquette? Ouais. S'il les tient en place, genre. C'est ce qui permet aux coulisseaux de. Coulisser. De slider. Donc de coulisser. De coulisser. C'est cela. Là, il y avait une petite bosse. Ouais, qu'il est tordu et que ça me bloquait la plaquette. J'ai fait casser la GoPro. Quoi, dis donc. Désolé. Oui, casser la GoPro, casser la GoPro. Et derrière GoPro. Ouais. De toute façon, il ne regarde pas, donc on s'en bat les couilles. Oh, c'est de la merde. C'est de la merde. C'est vrai que. C'est de la merde. Ils te vendent le truc avec le micro, je sais pas quoi. C'est une merde, leur micro pourrave là. Je vous emmerde, GoPro, au cas où. Ouais. Si jamais vous voulez nous prouver que c'est pas de la merde, et bah. Bah, faites des meilleures caméras, mais ouais. Ça sert à rien de faire autre chose, on s'en bat les couilles. Non, mais en vrai. Ah, j'ai tenté un truc. Mais... Ouais, mais c'est bon que vous allez se faire foutre. Alors attends, je vais aller le tapoter. Faut vraiment que t'arrêtes d'arrêter de dormir avec Aurélio, toi. Je suis pas sûr que ce soit une bonne idée le tapotage. Ah, ça va plus déformer le reste, non? Moi j'aurais plus vu. C'est ça, il faut que je l'enlève cette bosse là, tu vois. Donc c'est ou je la tape ou j'y mets un coup de disqueuse, mais je vais faire quelque chose. C'est pas possible. La petite bosse là. Là, c'est là. Tu vois le petit rebord là? Je peux lui mettre un coup de flap. Tu sens le tordant, non? Ben, j'ai essayé, mais t'as vu que ça tient bien quand même. Hein. Ça tient quand même pas trop mal. Je tiens peut-être quelque chose. Là. Si je perds pas un doigt, on est pas mal. Je devrais prendre un marteau encore plus gros. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Je vais perdre un doigt. Attends, je filme ta tête comme ça. Si tu te fais mal, on va le voir. Ça fait rien. Ouais, j'aurais pissé dans un violon, c'était pareil. Mais là, par contre, c'est dangereux ce que tu fais. Là. Voilà. Là, il n'y a plus de bosse. Mais s'il n'y avait qu'une bosse, bon. C'est que t'as dromadaire. Ah, c'est bon. Vrai que ça paraît de. Vois-tu ? En termes de coulissement, ça paraît vachement plus efficace. C'est mieux là. Ça bloquera peut-être un peu moins. Alors, maintenant, arrêtez de filmer ma sale gueule. Je te fais un truc truc. Oh putain, le screen que je vais faire avec ça. Et alors ? T'as pas les yeux en face du trou ? Marco ? Non, mais en vrai, j'ai pas trop bien fait de le laver le pick-up avant de venir. Ouais. C'est juste, tu vois, les flaques de boue quand on arrive. Ça casse les couilles. Je suis dégoûté. Mais on sait pas, mais du coup, peut-être qu'il faut regarder les autres, non? Ah non, mais je vais regarder les autres, mais c'est plus que quand je vois l'état de celui-là, je me dis que si c'était si pas, c'est celui, pas lui. Ah ouais. Tu étais au courant que c'est interdit de roter dans les vidéos? Et ouais, parce qu'en fait, comme Gilles Brocard le fait, si tu rotes, ben tu copies. La dernière fois, j'ai roté, on m'a dit « Oh, Z, mais comme il brûle qu'un !» Ouais. Ou Sodo. Voilà,
On va être obligé de mettre un bip. Je vais remplacer le bip par des bruits de ça. Vas-y, fais un petit coup. Voilà. À tous ces espèce de bande. Et en Johnny, dans ton. On s'occupe comme on peut. Hein. Je sais pas qu'on se fait pas chier là un peu. Non. Ah. Ou I. Ou AA. Bing bing. Tu dis à Mario que ces plaquettes de frein moteur elles font la gueule. Hein. J'en ai vu des porte-manteaux, mais des beaux comme celui-là. Ah, ça, ça fait un très beau coup de déliche. Ah ouais. C'est le meilleur. Des couleurs exceptionnelles. Ah, j'ai vraiment bien fait de le laver. Hein. Vivement qu'il aille en déco lui. Ah ouais. Bah non mais le soleil ça les mange, les décors, regarde l'état du truc, c'est abusé. Ouais, le pire c'est là, c'est le côté où il y a le turbo. Ouais, ouais, bah oui, la chaleur. C'est une allemande avec le volant anglais. Oui. Volant à droite. Oui. On va mettre un volant de l'autre côté avec une courroie ou une chaîne ou un truc. Oui. Et il y en a un qui va gérer les pédales et l'autre qui va gérer le volant. T'es d'accord? Oui. Je vous ai fait voter sur Instagram, en fait. Parce que pour mettre le. Tu vois, je sais pas où mettre le sapin là de Noël. Il commence à faire un peu la gueule. Après, il est stylé comme ça, je trouve. Hein. Moi, je l'aurais bien gardé pour Noël prochain. Hein. Donc, vous allez voter dans laquelle je vais le mettre. Et. Voilà, pour ceux qui n'ont pas Instagram, je le mets là. Je le mets là. Voilà. Donc, tout à l'heure, quand vous aurez voté, on va le faire. Et ce sera de votre faute et pas de la nôtre. Oui. Tu vois, comme tu peux le constater là, sur ce genre de colisso, donc on va recommander. Oui. Tu vois, tout va bien. Pas de boss. Pas besoin de les limer. Ça se passe bien. Donc c'est peut-être ça aussi. J'ai grande chance. Bon, après, pas se mentir, le copain il était un peu grippé là. C'est peut-être le mélange des deux parce que comme il s'est peut-être grippé parce que ça, ça a bloqué et ça a tout fait chauffer. Putain, mais toi, t'as déduction, mon gars. Ah, je sais, ouais, je sais. Tu vas pas à la fin, toi. Est-ce que tu savais qu'il y a différents types de goudron? Oui, en soi. Il y a micro-rugueux, macro-rugueux. Et il y a un autre truc, je crois que c'est le mélange des deux, et j'ai déjà oublié. Et c'est lequel qui grippe le plus? Bah, à ton avis. Le mélange des deux. Pourquoi pas, mais dans, entre les deux. Entre micro-rugueux et macro-rugueux. Je sens qu'il y a une connerie là. Non. Oh, je le vois à ta gueule, putain. Alors? Ah, je prendrais le macro. Évidemment. Mais par contre, quel est l'inconvénient? Je sais pas. Mais ils mangent plus les pneus. Tu sais, c'est ceux qui. Tu sais, quand ils sont vraiment un peu granuleux là, tu sais. Ah. Oui, bah. Oui. J'attendais tellement une connerie en fait, mais t'étais sérieux? Je vais à l'AFMA, moi, je suis un mec sérieux. Pourquoi ça te fait rire? Tu vas toujours avec ta cafetière? Tu te rends compte, tu crois que... non. Non, la machine à café, elle remarche. Bon, dis donc. Regarde ça comme ça coulisse. Attends, ah, j'arrive non, pas. Ça coulisse plus. On va arriver à la rentrée, c'est un parfait. Là, tu vois, dans ce cas précis, tu la regardes, tu lui demandes d'être gentil. Et puis de pas faire chier parce que sinon elle va finir dans le mur là-bas. C'est genre si je fais comme ça, est-ce que ça t'agace un peu plus? Après c'est vrai qu'il y a un peu de gênance dans tout ça. C'est une moustache de ouf en vrai. Oui. Allez là, putain de t'es mort. Truc de merde là. J'aime quand tu là. T'exprimes. Voilà, tu vois, on en revient à l'autre fois. Ah c'est vrai, oui. Tu vois, on l'a dit, il faut parler mal et ça marche. Encore une. Encore une BMW Turbo Schnau. Ouais, mais celle-là, elle n'a pas la prestance de la conduite à droite. C'est vrai qu'elle n'a pas la prestance de la conduite à droite. Mais par contre, elle a une prestance de poussière. Ah, c'est abusé. Je pense que Diomandji, ça fait longtemps qu'il n'est pas venu. Hein. Elle est belle par contre, celle d'Aurelio avec les jantes blanches et tout. Ça lui va trop bien. Ouais. D'ailleurs, si quelqu'un a des rondelles à vendre en 18, avec du déport. Des rondelles? C'est des gens de BM. Tu t'appelles ça des rondelles? Ceux qui vont. Ceux qui en ont le savent. Voilà. Mais genre, ah, c'est quoi? C'est des jantes spéciales, les rondelles? Ouais, c'est un type de jante BM. Enfin, il y en a plusieurs, mais les plus connus. Enfin, quand tu dis rondelles, normalement, ils le savent. Si vous en avez à vendre, pas à 1000 balles, bande d'Américains, hein, dites-le moi, comme ça je pourrais récupérer celle qu'Aurélio a sur sa voiture. Parce qu'il veut absolument des rondelles.
C'est le seul moyen que j'ai de récupérer celle-là. Les yeux des rondelles. Pas celle de vos petites sœurs. Hein. Oui. Bon, alors du coup, vous voulez des banderoles comme ça, mais genre en mode petit? Ou plutôt des drapeaux comme ça? Parce que ça, c'est bien aussi pour décorer. Mais sinon, on peut faire des trucs comme ça. Oh, ils sont vénères, les chiens, là, hein. Et maintenant, le test routier. Ça y est, c'est neuf. Donc maintenant, il faut aller l'essayer. Donc, plus qu'à mettre un peu de musique country. Et on peut y aller. Moi, je viens pas avec toi parce que vu que c'est moi qui les ai changés, enfin, qui ai fait la réparation, j'ai pas trop confiance. Donc, je préfère te laisser y aller tout seul. Bonne journée. Je vais la casser l'auto derrière ou pas? Et oui, parce qu'il faut pas braquer à l'arrêt. Oui. Ouais, on va voir si ça freine. Évidemment, on met toujours sa ceinture. Désolé, vilebrequin, je sais, je copie. Allez, c'est parti. Petite musique country. Et on y va. C'est vraiment de la merde, vos trucs GoPro, là, franchement. Ça a l'air d'aller, hein. Si on va sur l'autoroute, il est mort. Et mais à 9h15, c'est important. Et pas à 10h10, à 9h15. Bon, pour l'instant, ça a l'air d'aller. Les freins sont pas bloqués. Putain, mais c'est vraiment de la merde. Bon, bah les freins freinent. Ça, c'est déjà une bonne chose, hein, si les freins freinent. Et il reste pas bloqué. Ça, c'est le plus important. Parce que ça, c'est chiant, en fait. Ça prend feu. Allez, on y va. Un truc à savoir avec les véhicules américains. Parce que c'est vrai. Vous savez, dans les films américains, on les voit tout le temps. Ils sont tout le temps en train de faire comme ça, là. C'est pas des conneries. En fait, c'est vraiment comme ça, regarde. C'est-à-dire que pour aller tout droit, ben ça va pas tout droit. Alors c'est parce que c'est un boîtier de direction, il y a du jeu, blablabla, blablabla. Comme ça. Donc en fait, les véhicules américains de ces années-là, parce que c'est quand même un véhicule qui est pas forcément récent, il est de 2004. Et ben, c'est normal. C'est pour ça que dans les vieux films américains, ou avec des vieilles voitures, et ben les mecs, ils font tout le temps comme ça. Là, en vrai, regarde, hein. Tu vois, je fais ça, mais je vais tout droit. C'est un délire. Écoute le son du V8. On va mettre un freinage appuyé. Alors, I'm from Boston, Texas. Bon, les freins du pick-up, c'est bon. That's good. C'est qui ça encore? Putain, j'en étais sûr. Je t'ai entendu arriver, j'étais sûr. Pas s'il a pas sorti la grand-mère. C'est mamie. Quel beau casque. C'est mamie et papy. Oui, on a une gagnante. Ah. Ouais. On lui offre son cadeau. Et du coup, on lui case où? Ben, moi, je me disais, on peut fixer sur le capot ou sur le coffre. Parce que j'ai le truc pour le tenir debout, t'sais. Ah, tu sais. Mais après, s'il y a du vent et qu'il tombe sur la Z, ça va être chiant. On peut faire ça. Ou alors, on le fixe sur le toit, mais couché. Non, mais je vois qu'il y a un aileron derrière. Ouais. Bah moi je l'aurais bien gardé, il est beau comme ça. Ouais, tu le poses sur l'aileron derrière, il a déjà la forme bis. Il est profilé pour la pointe en avant. Bah, tu me diras là, c'est bien comme ça.
est content. Ah ouais, c'est beau. Enfin, tu sais que ça rend bien en plus. Hein. C'est magnifique. Franchement. Il y a un truc qu'elle a jamais perdu cette voiture, c'est ses lunettes de soleil. C'est vrai. Tu ne sauras pas ce que c'est. Mais c'est quoi, bah, dis-moi. C'est un projet. C'est franchement, elle a forme. C'est top secret. Projet futur. Ah là, c'est quoi, c'est une Sim Camille ou quoi? On peut pas en parler. C'est top secret, t'a dit, tu vois. Le multiplat à côté, c'est fou. Ouais. C'est... Non, on va affoler les foules si on fait ça. Qu'est-ce que c'est? Une papa mobile. Et... Bon. Ah, au bout, ah ouais, celle-là. Oh putain. Est-ce que c'est une Talbot? Une Talbot Rancho? Talbot, ah, ça serait ton peut-être, rêve. Peut-être. Mon rêve, c'est une Talbot Rancho, bien sûr. Faut peut-être essayer de te faire plaisir. Vu la taille des sangles pour tenir la vache, tu vois, je pense qu'il a dû compresser la voiture en essayant. À mon avis, le toit était plus haut. Non, mais regarde. Ah, oh, c'est un cabriolet. Qu'est-ce que ça peut être aussi petit? C'est une voiture sans permis? Un arceau. Un arceau. C'est un gros projet. C'est un gros projet. C'est un gros projet. Bon. On a un autre projet qu'on peut vous montrer. Et ça, c'est pour de la débilité ultime. Tu vois, il est là-bas derrière. Ça, on peut y mettre un moteur de 1000 jets. C'est quoi? C'est un Kundalich? Merde. Mais on peut le rendre bien. Mais bon. C'est un tas de rouille, ton truc, là. Eh non, c'est juste la peinture qui est un peu passée. Ah bah. En plus, on avait fait un style rat et tout exprès. Non, ça c'est tout neuf. Il y a un peu de feuille qui est tombée sur les sièges, mais non. Ouais, sérieux. Non, ça c'est rien ça. Putain, ta barbe elle va super bien avec le sapin. Putain, en plus t'aurais pu dire la Z au point. Ah, mais ça pique ça déjà. T'as prévu les machins. Bon, le pick-up c'est fini. Il reste plus qu'à aller purger les freins chez Ben, puisque le purgeur est chez Ben. Voilà. Oh non. C'est parti, on va purger les freins. Allez. Allons purger les freins. Il n'y a plus de batterie, donc on va pas purger, on va pas filmer la purge des freins. Ah, c'est dommage. Mais en tout cas, le pick-up est fini. Merci Prep, hein. C'est bon. On peut y aller. Allez, plus que à finir le Supra. Ah, la Supra. Oh, plus grand chose. Oui. Presque rien. Allez, bisous. Tu fais quoi toi? Tu démarres ta vieille? Ouais, mais je suis pas sûr qu'elle va démarrer. Non. On va sûrement lui mettre un coup de batterie. Bah tu vois, t'es mauvaise langue. Bonsoir. Salut Tchouf, t'as oublié ta caméra? Pris pour un vidéaste. Ouais, j'ai fait une formation. Bonsoir, j'ai fait une formation vidéo. Je m'appelle pas. Non, on nous voit pas. Prep? Oui. On a vu une étoile filante. On a pensé à toi. Je suis dans une soirée très bisextile. Je ne sais pas si je vais m'en sortir. Esteban a fait son retour. Bonsoir. Donc, aidez-moi. Esteban est là.